J'espère ne pas changer dans l'exercice de mes fonctions. J'avais déjà l'honneur d'être associé à Christian Estrosi en qualité de premier adjoint. Là, nous aurons les mêmes méthodes de travail, le même travail sur les dossiers, la même façon de nous rencontrer, de nous rendre compte. Et effectivement, une permutation de responsabilité. Et ce que j'espère surtout, c'est que cette nouvelle fonction de maire ne me changera pas, ni dans mes habitudes de travail, ni dans mes relations avec mes collègues et l'administration. Et donc, ainsi proclamé élu, et j'invite monsieur le premier adjoint Christian Estrosi à rejoindre sa place à mes côtés. Comparaisons qui cherchent à être déshonorantes, elles m'amusent pour la plupart. Je ne trouve pas déshonorant d'être comparé au président Medvedev, qui, je pense, a fait du bon travail. Et en plus, après, on dit homme de paille, marionnette. Venant de gens qui ont rarement exercé un exécutif, je crois qu'ils ne connaissent pas la complexité du fonctionnement d'une équipe et de l'ensemble des dossiers. Cher Philippe, désormais pour nous tous, tu es monsieur le maire de Nice. Sur ma proposition, le groupe Nice Ensemble t'a élu à l'unanimité. Et c'est parce que je veux, comme vous, le meilleur pour Nice. Je dis bien le meilleur pour Nice, que j'ai demandé à Philippe Pradal de me succéder dans les fonctions de maire. Mon ambition, c'est de servir Nice et les Niçois. Une émotion forte parce que c'est un moment solennel, c'est un moment important. Une émotion forte aussi parce que c'est Christian Estrosi qui m'a remis cette écharpe. Et ça n'est pas un moment neutre, ni pour moi, ni pour lui. Donc, effectivement. Mais là, il y a peut-être un point particulier sur lequel ma pudeur fait que je ne parle pas. Bonjour.